Ouh là 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 là. Oh les amis, croyez-moi, vous ne vous êtes pas trompé d'adresse. Non, histoire de bien finir votre week-end ou de débuter comme il se doit la semaine, le bistrot du jeu vidéo du jour va vous régaler littéralement avec un menu absolument croustifondant. Dans ce menu, on va parler de gaming, évidemment, hein, c'est l'épine dorsale de la chaîne, mais pas que, puisqu'on évoquera aussi, eh bien, un sujet bouillant dans la tech. La tech, les nouvelles technologies, je trouve ça extrêmement important d'en parler, d'autant que c'est extrêmement connexe avec le monde du gaming, d'autant plus lorsque cela impacte nos vies, la société. Et là, la grosse news du jour concerne TikTok. Alors, vous me direz, hein, parmi vous, qui sont utilisateurs de cette application de divertissement qui s'est répandue véritablement comme une traînée de poudre à travers le monde en l'espace de quelques mois, quelques années. Mais si je vous dis que TikTok est véritablement en danger et pourrait finir par être interdit, bah c'est pas une rumeur, c'est pas une blague, non, c'était extrêmement concret et bouillant, et dans quelques instants, eh bien, je vais tout vous expliquer. On découvrira aussi ensemble de nouvelles images particulièrement envoûtantes de Final Fantasy XVI, un jeu que nous sommes très nombreux à attendre ici, je l'ai bien compris. Et puis, c'est le gros jeu du moment, il vient tout juste de sortir, Resident Evil 4, le remake. Alors, est-ce qu'il démarre bien ? Un petit peu, beaucoup, à fond, de manière record, eh bien les chiffres sont tombés, et vous allez voir, les ganados vont suffoquer. Bref, installez-vous confortablement, vous l'avez compris, cette édition 876 de votre bistrot du jeu vidéo est absolument croustifondante, et elle commence maintenant. Oui, je me frotte les mains, parce que croyez-moi, là, on va se régaler ensemble. Et justement, histoire que la régalade soit totale, n'oubliez pas, si vous êtes abonné à la chaîne, eh bien, en ce moment, vous pouvez participer à un gros concours où je vous offre une PlayStation 5 que j'ai achetée par mes soins et que je vais donc offrir à l'une ou l'un d'entre vous. Alors, une fois de plus, hein, bah, si vous voulez participer, je vous mets le lien en commentaire épinglé, vous aurez toute la marche à suivre, mais ça commence par être, évidemment, abonné à cette chaîne. Voilà, c'est facile, c'est rapide, et ça peut permettre de repartir avec une nouvelle console. Mais là maintenant tout de suite, eh bien place aux news. C'est le jeu du moment. Il vient tout juste d'y sortir, et il est absolument flippant, terrifiant et envoûtant. Il s'agit de Resident Evil 4, le remake. Alors si je l'arbore comme ça de moult qualificatifs, c'est tout simplement car le jeu dont il est tiré, sorti il y a à peu près 20 ans de cela sur GameCube, était absolument cultissime. Et ce remake, même s'il n'est pas totalement parfait, et je vous l'ai évoqué dans mon grand test, très clairement, il a quand même d'innombrables qualités. Alors maintenant, il faut savoir, est-ce que le jeu rencontre un succès tonitruant, à la hauteur des attentes qu'il avait portées en lui? Eh bien, ça y est, on commence à avoir quelques données sur son démarrage, et croyez-moi, Capcom a de quoi se frotter les mains. En l'occurrence, on va regarder ce qui se passe du côté du PC, avec les données de Steam DB, et là, hop là, je vous les sers sur un plateau, 168 191 joueurs en simultané, au pic pour l'instant, concernant ce Resident Evil 4. Et là, je sais ce que certains vont dire. Ils vont dire, si on compare, par exemple, à des gros blockbusters comme Cyberpunk, The Witcher, etc., c'est assez faible. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais à la fois, comparons avec ce qui est comparable, à savoir ce qui se faisait, généralement, pour la série des Resident Evil. Et là, c'est une toute autre histoire, puisque le record, jusqu'à présent, était détenu par le précédent Resident Evil sorti, à savoir Resident Evil Village, qui avait atteint les 106 631 joueurs en simultané sur PC, sur Steam. Vous voyez déjà, c'est beaucoup moins que les 168 000 de ce jeu. Resident Evil de Remake, qui pourtant était auréolé d'une grosse attente, seulement 74 000 joueurs en simultané. Et Resident Evil 3 Remake avait atteint un modeste pic de 60 000 joueurs en simultané. Bref, vous l'avez compris, globalement, on pourrait additionner le pic de joueurs en simultané de Resident Evil, de le remake et du 3, qu'on serait toujours pas au succès de ce quatrième opus. C'est dire quand même un petit peu, eh bien, la violence du démarrage pour la saga Resident Evil qui est en train d'opérer Resident Evil 4. Et franchement, je m'en réjouis, parce que très sincèrement, c'est une série que j'apprécie, et ça permettra à Capcom de se dire que peut-être qu'il va falloir continuer dans cette voie-là. Et à ce titre, il y en a un que moi j'aimerais vraiment voir remaker, et il s'appelle
Resident Evil Code Veronica. Oui. Qui en plus est moins connu que les autres, parce qu'il était sorti à la base sur Dreamcast, console qui était absolument géniale, mais qui n'avait pas connu un succès public absolument tonitruant. Donc, tout va bien pour la saga Resident Evil, je m'en réjouis largement, et vous me direz, est-ce que vous êtes dessus en ce moment? Est-ce que vous frissonnez ou pas? Et quel autre jeu de la série vous voudriez voir en remake? Même si, avant toute chose, moi ce que je veux c'est un nouvel opus, parce que c'est bien la nostalgie, mais à un moment il faut aussi quand même passer à la suite. Mais pour l'instant je trouve que Capcom s'en sort plutôt bien, sachant alterner entre nouveaux jeux, il y a eu Resident Evil 7, il y a eu Resident Evil Village, et remake, les remakes du 2, du 3, du 4. Même si, de vous à moi, je suis intimement persuadé qu'un jour, on aura le droit au remake du remake de Resident Evil 1. Mais ceci est une autre histoire. Allez, on va changer d'univers, mais on reste au Japon avec un titre qui, là encore, me fascine totalement. Je l'ai bien compris, vous êtes extrêmement nombreux, les amis, à attendre un titre. Final Fantasy XVI, oui, et je dois confesser que je fais totalement partie de celles et ceux qui fiévreusement espèrent que la qualité sera au rendez-vous pour ce nouvel épisode des Final Fantasy. Alors je rappelle, hein, pour celles et ceux qui vivent dans une autre planète, que c'est pas parce que ça s'appelle FF16 qu'il faut impérativement avoir fait tout ce précédemment. Non, chaque histoire des Final Fantasy est totalement indépendante. D'ailleurs, eh bien, il y a quelques jours de cela, j'avais eu la chance de pouvoir le tester manette en main sur quelques segments. Je vous ai ramené une très grosse preview. N'hésitez pas à aller l'azioter avec en plus du gameplay inédit. Mais aujourd'hui, on parlait de gameplay inédit, de nouvelles images et consorts. Eh bien, il s'est passé quelque chose, oui. Puisque Square Enix et Final Fantasy XVI ont décidé de sortir le grand jeu lors de la PAX East qui se déroule actuellement à Boston. Et donc, bah, ils sont montés sur scène pour présenter du gameplay, des nouvelles séquences. D'ailleurs, j'y reviendrai hein, en profondeur très prochainement sur la chaîne en détail. Mais en attendant, comme j'ai bien compris que vous étiez très nombreux à attendre ce jeu, eh bien, je vous propose de découvrir ces nouvelles images et de plonger en immersion à l'intérieur. Un peu plus de FF16, ça ne se refuse pas. Allez, c'est parti! Les amis, c'est moi ou ça a l'air complètement ouf? C'est moi ou là, vraiment, on se dit que le jeu a l'air d'avoir une ampleur que l'on commence doucement mais sûrement à comprendre, à envisager? Ok, là, je suis complètement hypé. Alors, je vous rappelle quand même, soit dit au passage, que le jeu n'est pas un open world. Il disposera néanmoins, on l'a vu, hein, de plusieurs grandes zones ouvertes. Et les développeurs se sont expliqués, je vous en avais d'ailleurs parlé dans ma preview. Bon, bah j'avoue que j'en peux plus. Hein. Le 22 juin, en exclusivité PS5, s'annonce loin. Alors moi, j'espère tellement que cela va redorer le blason des Final Fantasy, qui est une saga qui est si chère à mon cœur. Eh bien, réponse, dans mon grand test
d'ici quelques mois. Et très prochainement sur la chaîne, je crois qu'on va se faire une petite soirée spéciale avec encore plus d'informations et encore plus d'images. Donc restez bien connectés. On n'a pas fini d'entendre parler ici même de Final Fantasy XVI et je m'en réjouis. Bon, vous êtes probablement venus pour cette news. On va parler maintenant de TikTok parce qu'il est en train de se produire quelque chose d'assez bouillant. Allez, nous allons ouvrir une page extrêmement importante, à savoir sur la vie des médias, sur nos sociétés, et ce qui est en train de se produire autour de cette application de divertissement, TikTok, le réseau social qui revendique quand même plus d'un milliard d'utilisateurs mensuels actifs à travers le monde, qui a connu la plus forte progression de ce genre d'application depuis l'histoire, en particulier les 4-18 ans, qui, selon plusieurs études, passent en moyenne plus d'1h30 par jour sur TikTok. Alors, premier point, vous me direz dans les commentaires, est-ce que vous êtes des habitués à ce réseau social qui propose essentiellement des vidéos court format, même si ça tend un peu plus à s'ouvrir. Enfin, essentiellement, ça s'est construit là-dessus, sur la rapidité, sur le snacking. Eh bien, en ce moment, c'est chaud. C'est en train de très très mal tourner. Regardez, ça se passe aux États-Unis. TikTok, menacé d'interdiction aux États-Unis, veut jouer l'opinion contre les gouvernements occidentaux. Ça montre un petit peu là que le ton est en train de monter, pas juste au niveau bas de gamme, genre oui, peut-être que, on verra bien, mais beaucoup plus sérieusement. Et qu'est-ce qui s'est produit ? Eh bien, ceci, je vais tout vous raconter. En l'occurrence, eh bien, l'application chinoise de vidéos courtes a été interdite déjà dans de nombreuses administrations à travers le monde, aux États-Unis et en Europe notamment, et là on parle donc carrément de bannissement total qui la menacerait aux États-Unis. Et vous le voyez en image, le Congrès américain a ainsi auditionné pendant près de 6 heures Shu Zizhou, le patron de TikTok, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a été chaud, extrêmement chaud. En gros, les représentants américains semblent persuadés que TikTok rend accro ses utilisateurs, et surtout, travaille secrètement pour le Parti communiste chinois en donnant accès aux données des utilisateurs collectées par la plateforme. Alors, pour vous donner une petite idée de ce qu'il a résulté de ces 6 heures d'audition, de discussion, on se rappelle que Mark Zuckerberg, il y a quelques temps, avait lui aussi été passé sur le grill, mais c'était à un tout autre niveau. Là, c'était beaucoup plus tendu encore. Eh bien, je vais vous donner la citation, une phrase qui vient d'une des représentantes du Congrès et qui a déclaré ceci au sortir de l'audition, je la cite et je la traduis, « Au vu de ce que nous avons entendu aujourd'hui, TikTok ne peut pas être cru. TikTok est un espion dans la poche des Américains. L'heure de TikTok a sonné. » L'heure de TikTok a sonné. Ok, donc là oui, ok, c'est chaud, c'est même extrêmement chaud pour TikTok aux États-Unis. Et donc, vraiment, on parle pas de... Non, on parle d'interdiction pure et dure, qui pourrait être annoncée relativement rapidement, potentiellement. Alors, attention, ne nous y trompons pas. Pour celles et ceux qui disent, ok, d'accord, ouais, c'est vrai, c'est tendu et tout, mais ça ne nous concerne pas, nous, Français, ouais, c'est pas le même propos. Eh ben, écoutez, attention, cela pourrait avoir un effet domino dans d'autres pays, dont l'Europe et la France. Parce que si l'application était interdite aux États-Unis, et donc totalement interdite de l'App Store sur les téléphones Apple, ou du Play Store de Google, donc Android, autant vous dire que c'est vraiment un effet domino et ce que l'on pourrait appeler une petite mort. Alors, il y a plusieurs choses à ça. 1, c'est pas encore effectif. 2, faudra voir quelle est la voilure des potentielles restrictions, voire totales interdictions qui seront annoncées. Mais véritablement, là, si vous avez un doute sur le fait que c'est tendu, je pense qu'il va être instantanément retiré. Regardez, le patron de TikTok face à un congrès américain remonté à bloc. Voilà. Alors, il faut pas oublier que TikTok, c'est le réseau qui a connu la plus forte croissance dans le monde ces dernières années. Mais il n'est pas disponible en Chine. C'est un réseau chinois non disponible en Chine. Alors attention, du moins, pas sous la même forme que nous, on connaît en Occident. En Chine, il s'appelle Douyin. Et sur le TikTok chinois Douyin, Douyin limite son accès aux jeunes, par exemple, pousse des contenus éducatifs,
Et vous avez peut-être vu beaucoup d'articles souligner à quel point, aujourd'hui, il y a plein de gens qui pensent qu'en fait, TikTok, alors, est-ce qu'ils ont raison ou pas ? Ça, c'est un autre sujet, hein. Mais est un peu le bras armé socialement et soft powerisant du gouvernement chinois pour, quelque part, rendre accro ses utilisateurs et être conçu pour débiliser à petite dose, doucement mais sûrement, les gens, et donc les Occidentaux, contrairement à ce qui se pratique en Chine, où c'est pas exactement le même réseau. Alors, pour en savoir un peu plus sur TikTok et ses effets, parce qu'on voit passer de plus en plus de choses quand même à ce sujet, moi je ne saurais trop vous conseiller d'aller voir cette émission, ici, comment TikTok a bip le cerveau d'une génération, que l'on doit au youtubeur Léo Duff. C'est vraiment une vidéo que j'ai trouvée passionnante, extrêmement didactique, vraiment très très intéressante, et qui fait quand même flipper sur les leviers d'addiction, sur les ravages du temps court, comment, quelque part, cette rythmique de vidéos extrêmement rapide, etc., reformate l'esprit aussi. À noter que la Chine n'est pas la dernière à censurer des sites et applications étrangères. Parce que, évidemment, certaines personnes vont dire « Mais attends, c'est scandaleux, d'où un gouvernement d'un autre pays peut interdire, etc. » Ça se fait, déjà, largement, dans d'autres pays. Je vous le disais, la Chine a censuré, voire bloqué, énormément de sites et applications étrangères. Netflix, YouTube, Facebook, WhatsApp, mais aussi, ça nous concerne, L'Équipe, Le Monde, tout ça, c'est soit bloqué, soit fortement censuré en Chine par le gouvernement. Il faut prendre des VPN, etc. Donc soyons clairs, derrière les arguments des uns et des autres, il y a aussi une bataille d'influence, du temps des cerveaux des gens, et aussi une influence de soft power. Et pour les Américains, très clairement, vous l'aurez compris, ils préfèrent quand cela vient d'entreprises américaines. Idem pour les Chinois. En fait, il y a un peu qu'en Europe, où l'on semble regarder les trains passer, les bras croisés, ou bien en s'écharpant sur les réseaux sociaux conçus par d'autres superpuissances. Voilà. Vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Vous me direz si vous êtes utilisateur de TikTok. Si vous avez été utilisateur de TikTok et que vous avez trouvé qu'en fait c'était presque toxique par rapport à votre temps d'utilisation, ce que vous y voyez, etc. Moi je sais que parfois, souvent, je dois le confesser, quand par exemple je vais à Disney ou que je suis au resto, etc. en famille, je constate d'autres familles avec des enfants très 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 jeunes, de l'âge de mon enfant, donc 3, 4, 5 ans, qui ont des téléphones et qui regardent TikTok, avec des contenus pas du tout adaptés. Et là, vous me direz, vous savez, tout ça, ce sont des outils. Et à titre personnel, je pense que le plus grave là-dedans, c'est l'éducation des parents, qui semblent pas très concernés par ce que leur enfant fait. Mais quand à table, t'as toute une famille, tout le monde est sur son portable, c'est quand même terrifiant. Et je pense que, collégialement, nous, là, qui, si vous regardez YouTube, vous devez utiliser peut-être Twitter, Facebook, Instagram, l'un ou l'autre, ou tous ces réseaux, on doit quand même se poser une question collective sur l'avenir et ce que l'on veut avoir dans le cerveau et comment on le fait et quelles sont les sources qu'on utilise, etc. Faut-il tout utiliser, machin ? Est-ce que le temps ultra court, les vidéos tout petit format, c'est véritablement l'avenir ? Est-ce que ça nous apprend des choses ou est-ce que finalement ça ne fait qu'accélérer un peu nos synapses et notre cerveau ? Pas forcément pour de très bonnes choses ? Vous me donnerez votre opinion, mais je pense que là aussi, ça méritera une vidéo dédiée, très structurée, pour réfléchir à tous ces enjeux, et peut-être une émission qu'on pourrait se faire en direct pour évoquer ces sujets qui me paraissent ultra importants, et quelque part, en réalité, plus importants encore, juste que stricto sensu, le jeu vidéo, parce que là, ça nous concerne, ça concerne nos enfants, et donc, quelque part, un petit peu l'avenir de nos sociétés. Voilà, en tout cas, vous l'aurez compris, c'est extrêmement chaud pour TikTok, et je suivrai ça de près. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui, vivement la suite. L'actu va continuer sur la chaîne évidemment, donc pour être sûr de ne pas la manquer, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous permettra aussi de participer au gros concours pour gagner une PS5, ne l'oubliez pas, je vous mets ça en lien épinglé, puis vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, donnez-moi vos commentaires sur toutes les news, et puis vous avez plein de vidéos qui sont arrivées ce week-end, alors faites-vous plaisir, et vive notre passion du jeu vidéo, ciao.